Guatemala, le plus important pays d'Amérique centrale. 6,5 millions d'habitants, un pays gouverné par l'armée. Et la plupart des Guatémaltèques sont de petits paysans indiens. Ils vivent à l'étroit sur ces hauts plateaux montagneux situés entre 1000 et 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les plaines fertiles, elles, appartiennent à une poignée de gros propriétaires terriens. Et l'armée veille à ce qu'il en soit ainsi. Pourtant, un danger plane sur le paradis guatémaltèque. Depuis la victoire des révolutionnaires au Nicaragua, depuis qu'ont éclaté des troubles sanglants au Salvador, la vie quotidienne a changé. Le feu de la révolution s'est propagé jusqu'ici. Malgré, ou peut-être justement en raison de cette armée, qui est la plus musclée de l'Amérique centrale. La capitale, Guatemala City, 800 000 habitants. C'est le siège économique et politique du pays. C'est aussi le symbole de l'effort touristique. Dans le pays, chaque village a ses propres costumes, et les plus beaux d'entre eux proviennent du village indien de Nebar, sur les hauts plateaux. C'est avec ces habits qu'il y a 5 ans, Miss Guatemala a été couronnée Miss Monde. Et depuis, ces vêtements de Nebar se retrouvent sur chaque affiche, sur chaque dépliant touristique. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas conseillé aux touristes de se rendre à Nebar, car l'armée et les guerrilleros s'y affrontent. À Nebar, le règlement de compte a déjà commencé. Nous allons tout de même, au cours de ce reportage, tenter le voyage à Nebar. Voici la gare routière, un véritable centre nerveux grouillant d'Indiens venus de toutes parts. Il faut combien de temps en bus pour aller à Nebar? 9 heures, 4 pour Quiché et ensuite 5 jusqu'à Nebar. Il faut changer de bus? Et c'est comment à Nebar? Plutôt gai, mais une sale route. Mais est-ce qu'on peut aller à Nebar? Non. L'armée contrôle le village. Elle ne laisse pas entrer les touristes. A ningún turista que llega allí en Nevada.
Et la capitale seule ne donne pas une idée précise du pays. C'est une ville comme tant d'autres en Amérique latine, avec son quartier d'affaires moderne, bien en vue, cerné de toutes parts par les bidonvilles. Le calme règne à Guatemala City. Devant la cathédrale et le palais du gouvernement, et la police militaire veille au grain. Tout comme devant la banque de l'armée, une curiosité locale. Autre curiosité, le mouvement de libération nationale. C'est le plus important parti politique du pays. Il n'est pourtant pas représenté au gouvernement. Son but déclaré, débarrasser le Guatemala du communisme. Fondateur et idole du parti, Castillo Armas. C'est un homme qui, en 1954, a renversé avec l'aide de la CIA un gouvernement élu parce que ce dernier voulait mener à bien une réforme agraire. Devant le portrait du héros, la nouvelle garde de ce parti authentiquement fasciste. C'est là que nous nous sommes enquis de la situation à Quiché, la province où se trouve Nebar. Les communistes appliquent là-bas la tactique dite des piqûres d'épingles, à partir du territoire mexicain. Pour le MLN, les communistes sont partout, à preuve la carte couverte de flèches rouges et de croix. Mais est-ce que vous combattez ces communistes armés avec des idées? Non, les communistes armés, nous les combattons avec des armes. S'ils aspirent à une guerre ouverte, comme au Nicaragua, ils ne se heurteront pas qu'à l'armée, mais également aux groupes anticommunistes. Notre mouvement en tête, les armes à la main. Dans la pièce à côté, les gardes sont armés. La MLN disposerait au total de plus de 50 000 hommes. À quelques rues de là, un immeuble discret, c'est le siège d'une centrale syndicale, un lieu hautement suspect aux yeux des extrémistes de droite. Ce que signifie être syndicaliste au Guatemala, ces gens vont nous l'apprendre. Madame, pourquoi votre mari a-t-il été assassiné? Parce qu'il était secrétaire général du syndicat de Coca-Cola. Comment est-ce qu'on l'a tué? On l'avait menacé par téléphone et par lettre. Qui? L'ESA, l'armée secrète anticommuniste. Il figurait aussi sur une liste publiée dans le journal. Comment avez-vous reçu la nouvelle de sa mort? Ça a été terrible. J'étais au quatrième mois d'une grossesse. J'ai perdu l'enfant. Dans quel état avez-vous découvert les deux derniers syndicalistes? L'un s'appelait Arnulfo Gomez. Il a été torturé. Ils lui ont coupé la langue et ils l'ont fourré dans la poche de sa chemise. Ils lui ont découpé les lèvres avec des lames de rasoir. Ils l'ont frappé à l'estomac. Ensuite, ils l'ont abattu d'une balle dans la joue et d'une autre dans la tête. L'autre a été trouvé à Chiquimulia. Il a été torturé lui aussi. Ils lui ont arraché tous les doigts et même les orteils. Ensuite, ils l'ont battu et ils l'ont tué. Quelques jours plus tard, un commando d'extrême droite attaquait ce bureau. 27 syndicalistes ont été enlevés et depuis, on ne sait plus rien d'eux. Ici, dans ce quartier résidentiel de la ville, on reste très discret sur de tels incidents. C'est ici qu'habite Juan Megli, un millionnaire d'origine suisse.
grand propriétaire terrien. Il est représentatif de cette aristocratie guatémaltèque. Les Européens s'imaginent que le Guatemala est tout à fait semblable aux quatre autres pays de l'Amérique centrale. Ce n'est pas le cas. C'est pour cela que nous voulons montrer à la presse européenne, à la télévision, au monde entier, notre pays tel qu'il est réellement, avec nos problèmes, mais aussi avec nos progrès. Arrivé à l'aéroport, petit détail, le véhicule est blindé, à l'abri des balles. Il est équipé de gaz lacrymogène, les pneus sont en caoutchouc mousse, les vitres en verre blindé. Juan Megli nous emmène vers l'une de ses trois plantations. Coton et sucre pour les deux premières, élevage de bœufs pour la troisième. Il s'occupe également d'apporter des machines agricoles sur une large échelle. Juan Megli voyage à bord de son avion privé. Ses plantations sont distantes les unes des autres de plusieurs centaines de kilomètres. Ce voyage nous amène de la capitale jusqu'au lac Izabal, où se trouve la première plantation. Sous les ailes de l'avion, les hauts plateaux où vivent les petits paysans indiens. Privés de leurs terres fertiles, ils doivent se contenter du minimum vital. Combien de terres avez-vous ici? Ici, j'ai commencé à acheter en 1974, plus de 5000 hectares. Avant, c'était comment? Autrefois, il y avait des nomades sur ces terres. Ils avaient planté un peu de maïs. Mais le sol n'était pas d'un bon rapport. C'était du terrain en friche à 90%. La jungle, quoi. Maintenant, ça commence à être rentable. J'ai 10 000 têtes de bétail. Vous allez les voir tout à l'heure. Comme partout au Guatemala, les ouvriers de la ferme de Juan Megli gagnent un peu plus de 5 francs par jour. Mais sur cette somme, on leur prélève un fermage. C'est le prix des lopins, où ils plantent du maïs ou des fèves pour leur propre consommation. Pourtant, l'idée d'une réforme agraire n'effraie pas Juan Megli. Nous avons assez de terres au Guatemala. Et nous avons assez de gens convaincus que les terres fertiles, il faut les développer, mais pas les morceler. Mais pourtant, d'après les statistiques, 2% de la population possède 60% des terres. Et c'est comme aux États-Unis. Là-bas, 3% des habitants contrôlent 80% de la propriété. Oui, mais là-bas, les 4/5 de la population n'habitent pas en campagne comme ici. Notre peuple doit tout d'abord aller à l'école. Ensuite, il doit se spécialiser. Cela, nous le faisons ici. Maintenant, nous avons une école ici. Cette école, Juan Megli tient à nous la faire visiter personnellement. Devant nous, il admoneste les enfants. Quand on ne sait ni lire ni écrire, on ne trouve guère de travail. Un jour, ici, nous allons construire une fabrique.
Así que hay que aplicarse bien. Wir als Landwirte, nous, les agriculteurs, nous sommes forcés de nous consacrer de toutes nos forces à l'éducation des enfants. Parce que les Indiens ont l'habitude d'envoyer leurs enfants au travail sans prendre la peine de les former. C'est nous qui devons leur imposer l'école. Wir müssen dazu sorgen, fast in einer väterlichen Weise, sie zu zwingen, zur Schule zu gehen. En tout, il y a ici environ 10 000 têtes de bétail. Comme je vous l'ai dit, il y a 6 ans, j'en avais 200. Vous n'avez pas le sentiment de posséder un peu trop de terre par rapport aux paysans des Hauts-Plateaux? Écoutez, je crois à la libre entreprise et à la propriété privée. S'il faut en arriver à un moment où l'on impose ce qui est juste et ce qui est trop, alors ça ne vaut plus la peine de travailler. Nous sommes placés face à nos responsabilités. Nous ne sommes pas subventionnés, comme c'est souvent le cas en Europe. Là-bas, on reçoit quelque chose pour s'acheter une vache. Nous, ici, nous devons entretenir non seulement la population, mais le pays et le gouvernement. Nous devons créer 60 000 places de travail par année pour offrir un avenir à notre population. Mais les problèmes urgents qui se posent au pays, comment croyez-vous qu'on puisse les résoudre ? Le problème numéro un, c'est d'augmenter la productivité. Par exemple, ici, j'ai entre 3 et 4 têtes de bétail par hectare. Nous sommes au-dessus de la moyenne, et c'est simplement grâce à la productivité, comme en Suisse avec vos fabriques, qu'on progresse. Je crois que personne ne peut venir vous demander si Siba Gaigi est une entreprise trop importante ou trop petite, ou s'il faut la morceler entre ses ouvriers. Le lendemain matin, Alberto Rabier, l'un des hommes les plus riches du Guatemala, est assassiné par des guérilleros marxistes. Sa dépouille mortelle est amenée au cimetière à bord d'un véhicule qu'il avait lui-même offert aux pompiers. Toute la bonne société du Guatemala est venue lui rendre un dernier hommage. Et jusqu'aux hélicoptères de l'aéroclub qui l'escortent dans le ciel. Ce meurtre est le fait d'une fraction armée du Parti communiste, l'un des groupes de guérilla à l'œuvre dans le pays. Rabier a été fauché devant son bureau par une rafale de mitraillettes. La gauche axe la violence sur nous, qui ne sommes pas des hommes politiques. Elle nous prend pour cible. Ce qui vient d'arriver à ce cher ami, le fait qu'il se soit attaqué à un particulier, cela montre qu'ils ont peu d'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre cette guérilla ? Il faut les expédier par bateau à Cuba ou en Russie, où, paraît-il, tout est si beau.
La guérilla, c'est comme le cancer. On ne peut pas vivre avec. Il faut aller chez le médecin et extraire l'abcès. Wären die schon längst, hätten die uns schon längst getötet. Aber was wir machen müssen, ist zum Doktor gehen und den Krebs, das Krebsgeschwür rausnehmen. Le même cimetière un peu plus tard dans la journée. On attend la chocolatera. La chocolatera, c'est cette auto blanche. On l'appelle ainsi car les cadavres qu'elle transporte sont aussi bruns que du chocolat. Ils ont attendu trop longtemps qu'on les identifie, mais personne ne les connaît. XXX inscrit simplement l'employé du cimetière. Les pages entières de X. Tous les jours, entre 3 et 5 corps sont enterrés ici. La plupart ont été torturés, mutilés. Derrière la plupart de ces meurtres, peut-être la main de la police, du gouvernement, de l'armée, voire des commandos secrets de l'extrême droite. Mais de telles actions ne sont jamais élucidées. Souvenez-vous des paroles de Juan Megli. La guérilla, c'est comme un cancer. Le médecin, c'est l'armée. Que voulez-vous nous montrer ? En Europe, on est mal renseigné sur notre armée. C'est sa face cachée que je veux vous dévoiler. Tout ce que notre armée fait pour le bien de notre peuple. Nous nous dirigeons en plein vers le nord, vers les immenses territoires de la jungle. Vers les nuages, on aperçoit le chantier du barrage de Csíkszói. C'est ici que va être exploitée une usine hydraulique à participation helvétique. Après les hauts plateaux, la jungle. Guatemala, dans la langue des Indiens mayas, cela veut dire à peu de choses près l'endroit où l'on entasse le bois. Vu d'en haut, le terme paraît assez judicieux. Une première halte. Ce que l'on cherche et que l'on trouve ici, c'est de l'or noir. Ici, tout près de la frontière mexicaine, au cœur de la forêt vierge. Voici le puits de forage numéro 4, celui de Rubens Alto. Une capacité de 2400 à 2600 barils quotidiens. Avec le pétrole que nous trouvons ici, à Alta Verapaz, notre avenir économique change du tout au tout. Le pétrole et l'énergie hydraulique pour le Guatemala, c'est la libération économique. Énergéticos, que combinado con la campaña de la producción de hidroeléctricas, persigue, como lo dije, el despegue económico de Guatemala y la liberación.
Au total, on extrait aujourd'hui, dans cette région, environ 8000 barils par jour. Les oléoducs, braqués sur l'océan Atlantique, sont prévus pour un débit bien supérieur. Prochaine halte de notre voyage, la Transversale Nord. Une autoroute, un trait oblique tiré au cordeau à travers la jungle par l'armée. Cette route est un trait d'union entre la jungle impraticable et Puerto Barrios, sur la côte atlantique. C'est un peu la transamazonienne. Elle rehausse l'intérêt agricole des régions qu'elle traverse. Partout dans la région, on défriche avec beaucoup d'applications. Créés autrefois par les prêtres catholiques en faveur des Indiens démunis, les toits de quelques coopératives tranchent sur le vert de la forêt. L'idée était d'associer les indigènes aux partages ruraux. Mais aujourd'hui, ces coopératives ont été réquisitionnées par l'armée. Elles ne reçoivent de terre que ceux qui ont l'heur de plaire aux officiers. La réforme agraire au Guatemala, c'est ça pratiquement. On va chercher les gens sur les hauts plateaux et on les installe ici dans des coopératives. Aquí todas las comunidades están organizadas en cooperativa. ¿Cuántas familias? Combien de familles reçoivent du terrain ici? Van recibir tierras en la transversal del norte. Mayor. Yo conozco más o menos que son de base. Entre 30 000 et 40 000 familles. On dit que c'est surtout les membres de l'armée qui reçoivent ces terres. C'est très relatif. Chez nous, chaque jeune de 18 ans peut être astreint au service obligatoire. Beaucoup de ceux qui ont fait leur service ont appris quelque chose. Ils travaillent actuellement dans des coopératives. C'était des militaires. Ils ne le sont plus aujourd'hui. Le voyage se poursuit. Nous voici maintenant proches de l'école de recrues de l'armée guatémaltèque. Ici, durant 30 mois, encadrés par des officiers de carrière, les jeunes Indiens découvrent l'école de la nation. Le major Dominguez n'aime pas particulièrement les questions du genre « Pourquoi des maquisards dans un pays comme celui-ci ? » S'il n'y avait pas Cuba et des gens qui tentaient de conquérir le monde, il n'y aurait ici ni guérilla, ni subversion, ni violence. Juan Megli nous a dit que la guérilla était un cancer et l'armée un médecin. Que fait le médecin pour enrayer le cancer? Je dirais de même. La guérilla communiste, c'est une sorte d'infection. Une infection qui, avec le temps, résiste aux médicaments. C'est pour ça qu'il faut sans cesse chercher de nouveaux remèdes. C'est aussi pour ça que nous n'avons pas que des activités militaires, mais que nous nous attelons aussi à des objectifs civils. Militares, sino también a otro tipo de entrenamiento para la tropa para prepararlo mejor a la vida civil. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aller à Nebar? Hier, c'était à cause des hélicoptères. Nous n'avons que 8 belles UI. Les Américains ne nous vendent plus de pièces de rechange. Alors nous devons nous restreindre. Dependemos de los repuestos que venden Estados Unidos. No nos venden repuestos. Tenemos que mantener a un bajo volumen. Est-ce qu'on peut y aller en voiture? Oui, je crois. En une semaine à Guatemala City, d'après les journaux, 38 personnes ont été assassinées.
10 d'entre elles, semble-t-il, par la guérilla, les 28 autres par l'armée ou par des groupes paramilitaires. Loin de Guatemala City et de ses cadavres, Léo Plateau. Le village de Chichicastenango. Les descendants des Mayas, des Indiens profondément enracinés dans leur tradition, partagés entre leur dévotion aux dieux des conquistadors et leurs mythes ancestraux. Wir haben noch einen sehr, sehr schönen Gipfel gesehen. Ist eine 16 mm oder was ist das hier? Chichicastenango, c'est la porte de la montagne, la ville des touristes. Voici la Sierra de Chuacus. C'est ici que vit Francisco, un petit paysan indien parmi tant d'autres. Il s'escrime à planter du maïs sur un terrain rocailleux. Francisco, qu'est-ce que vous cherchez à nous montrer? Je veux que vous constatiez comment on travaille la terre ici. Nous autres petits paysans, nous ne vivons que de la terre, mais elle ne suffit pas à nourrir nos enfants. Et la terre de nous autres ne nous alcanza pour maintenir nos enfants. Qu'est-ce que vous semez? Du maïs et des fèves. Ça vous nourrit? À peine 5 mois. Et ensuite? Ensuite, je dois acheter du maïs. Avec quel argent? Je dois gagner de l'argent, comme saisonnier dans une finca sur la côte. Et quand je reviens, je dois descendre au village à 4 heures d'ici pour m'acheter le maïs. Et además, estoy muy lejos del pueblo, como aproximadamente 4 horas de camino. Notre voyage en compagnie de Francisco va nous conduire des hauts plateaux aux rives du Pacifique, là où se trouvent les opulentes fincas des Nantis. La maison de Francisco. Sa femme est au fourneau, au menu, invariablement, des galettes de maïs, qu'on appelle là-bas tortillas. Nous autres paysans, nous avons une vie malheureuse. Les riches, ils mangent tout ce qu'ils veulent. Nous, les pauvres,
Tout ce que nous connaissons, c'est les tortillas avec un peu de sel et des fèves. Vraiment, nous les Indiens, nous souffrons. Et qu'est-ce que vous faites pour changer ça? Je crois que nous devons changer d'attitude. Parce que nous aussi, les Indiens, on aimerait une vie meilleure. Changer d'attitude. Quelque part dans la montagne, des paysans venus de partout se rassemblent en secret. Leur comité s'appelle le COUC, le comité de l'unité des paysans. Dirigés par des cadres venus de la ville, les paysans démunis commencent à s'organiser. Le mouvement reste pourtant essentiellement indien. D'ailleurs, ici, on parle le Kiché ou l'Achi. En chemise du dimanche, le sombrero sur la tête, Francisco est un auditeur attentif. ¿Cuál es tu deber? Nuestra lucha popular camina. Decididos a luchar. Decididos a vencer. Para triunfar. Hay que luchar. Quelle alternative propose le COUC? Notre comité veut changer les structures socio-économiques du pays. Il veut une société plus juste dans laquelle le paysan aurait tous les droits. Le droit de vivre et assez à manger. Se le den todos los derechos que el campesino debe tener. Derecho a la vida en primer lugar, derecho a la alimentación, a una vivienda adecuada. Pour ça, il faut changer les structures. Il faut s'emparer des biens des riches et des forces de répression. Il faut mettre fin à l'oppression. Ce sont les paysans qui doivent gouverner le Guatemala de demain. Acabar con ellos para que sean los campesinos los que gobiernen mañana en esta Guatemala. Est-ce que ce n'est pas très difficile de changer les structures? Oui, très dur. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est d'ailleurs pour ça que nous devons nous dissimuler le visage derrière ces foulards. Si l'armée y découvre notre identité, le lendemain nous sommes morts. Comme ces 12 ou 14 malheureux que l'armée torture et assassine chaque jour dans ce pays. Esta organización se empezó a escuchar así. Pero esta organización no era suficiente. Eran muy pocos. Entonces cada uno de los compañeros se comprometió a ir a traer otro compañero más. Entonces ya se escuchaba así. Seguidamente, cada uno de ellos dándose cuenta de la efectividad, cómo resolver sus problemas, siguieron con el camino que se habían trazado y se fijaron la meta de ir a traer otro compañero más. Entonces ya se empezó a oír así. Pero en eso ya se oía y el gobierno le dio miedo. A los ricos también. Entonces los empezaron a reprimir por medio del ejército. Pero ese pueblo nos le dio miedo. Ellos siguieron luchando y en vez por cada compañero que caía, iban a traer otro compañero y se oía así. Se oía así. Luego el gobierno se dio cuenta de que ya no era suficiente seguir matando a unos pocos. Entonces se vio en la necesidad de tener que masacrar pueblos. Pero estos pueblos tampoco se entregaron. Ellos fueron a jalar más gente y fueron creciendo hasta que se oye ahora así. Y esta es la organización que guía a los campesinos guatemaltecos en la construcción por un gobierno popular, revolucionario y democrático.
indios con justa razón. De la montaña vendrán mil campesinos con justa razón y conquistarán el poder, justicia de nueva de haber para el América. Exigiendo por siempre igualdad, sangre de hermanos verás, siempre que luches por la libertad. Mil fusiles se alzarán, con la paz encontrarán, voz de revolución. En ce moment, nous sommes sur les terres d'un riche. Nous venons ici chaque année avec nos enfants récolter le sucre. Nous avons trop peu de terre à nous et à la maison, c'est dur. Notre terre, poquito tenemos. No, la vida en nuestro hogar es muy difícil. Vous travaillez combien de mois par an ici? 3 mois. Vous ramenez combien d'argent? Entre 25 et 30 dollars, après déduction des frais. Qu'est-ce qui doit changer, d'après vous? Il faudra se battre. C'est la seule manière d'avoir un meilleur travail. Mais pas un ou deux paysans, ou un village seulement. Non, tous les paysans ensemble. Un pueblo, todos los campesinos. Francisco, si vous gagnez la bataille et si les fincas étaient réparties, qu'est-ce que vous préféreriez? Devenir membre d'une coopérative ou posséder votre propre morceau de terrain? La finca junto o recibir tu propia tierra? Je crois que c'est mieux de partager la terre. À chacun son morceau. Cada uno con su tierra. Con su pedazo. Sí. Cette autre semaine-là, 49 personnes ont péri de mort violente. 5 d'entre elles seraient tombées sous les balles de la guérilla. 44 autres auraient été liquidées par les soins du gouvernement. C'est par la route qu'enfin nous rejoignons Nebar. Première étape, Zacapulas. Il y a peu de temps, des soldats sont arrivés au village, déguisés en maquisards. Ils ont exhorté les paysans à participer à l'attaque d'une finca dans le sud. 16 jeunes les ont suivis. Ce qui est advenu d'eux, une femme nous le raconte. On a retrouvé 3 d'entre eux lundi, tout près d'ici, pendus à un arbre.
ahorcado, estaba ahorcado. ¿Y los otros? Y otros dos. Y puis deux autres encore, près du fleuve, pendus eux aussi. Les autres, on ne sait rien. También estaban ahorcados los dos muchachos. Ahora los demás no se sabe. Viva EGP. Vive la guérilla. Au milieu du village, des soldats revêtus de gilets pare-balles, des sacs de sable, et tout près, une place vide, celle de l'église. Le prêtre a fui. Celui de la commune voisine a eu le tort de rester. Il a été abattu peu avant notre arrivée. À Nebach, on a vite choisi son camp, l'armée ou la guérilla. Entre ces deux ennemis qui s'épillent, il n'y a rien. Seul moyen de filmer, le téléobjectif ou le camouflage de la caméra. Avec l'armée, nous vivons dans la peine et l'angoisse. Ils nous menacent et nous tuent. Il y a peu, les soldats ont abattu trois paysans en train de semer dans un champ. Ils ont affirmé qu'il s'agissait de guerrieros. C'est faux. Unos paisanos pues que ellos estaban sembrando y llegaron ellos a matarlos y dijeron que ellos son los ejércitos de EGP y cuando ellos no son. Pero las mujeres que il y a peu de temps, quelques femmes ont voulu apporter à manger à leur mari et à leur fils emprisonnés. Hay un marido, hay otros sus hijos, estaba con los ejércitos. Y fueron las mujeres a preguntar. Les soldats n'ont pas voulu. Dans un moment de fureur, six femmes ont été abattues. Todo este sector de la esquina, aquella esquina, ya es área del destacamento. ¿Va? Entonces aquí es destacamento militar. Entonces nosotros tenemos prohibido que vengan a tomar fotos al destacamento. Ahora ustedes deben de tener cuidado en no salir muy lejos del monte, porque les pueden robar sus cámaras. ¿Va? Le major qui commande les troupes de la région nous a déclaré que l'armée regagne lentement, mais sûrement, la confiance de la population. À Nebach, ce jour-là, c'était jour de marché. C'est ici que nous devons rencontrer un homme de liaison de la guérilla des pauvres. Mais comment ferons-nous? L'armée semble être partout. Thank you.
Le contact s'est fait tout de même. Il va nous emmener dans la montagne, autour de Nebar. Les voici, ces guerrieros endurcis de l'Erepe, des Indiens armés de fusils d'assaut israéliens Galil, volés à l'armée guatémaltèque. Bueno, à partir de 1978, nosotros incrementamos ya nous avons commencé, après 1978, à lancer des actions armées dans la région. A ese tiempo, pues, la répression était déjà très violente. Más fuerte aquí en el, aquí en esta región. Pero en ese tiempo nosotros mais nous avons surpris l'armée. Elle croyait que la guérilla avait été exterminée. Nous avons organisé nos forces et le peuple pour mieux frapper. Empezamos el 21 de enero con la toma de Nevar, el 21 de enero de 1979. Le 1er janvier 1979, nous avons occupé Nebar, puis d'autres villages au mois de mai suivant. L'armée a senti le danger. Elle a lancé une offensive générale avec 5000 soldats pour nous déloger des montagnes. Entonces ya el ejército ya vio realmente un peligro, cosa que no lo había visto antes. Fue por ese motivo que empezaron la más grande ofensiva. En esa oportunidad metieron trajo el mais nous leur avons échappé. Lorsqu'ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas nous écraser, ils s'en sont pris au peuple. 5000 soldats pour buscarnos en la montagne. Entonces, en ese tiempo, en la montagne, no pudieron hacernos nada. Entonces, en vista de que no pudieron golpear a la guerrilla, se trazaron otro tipo de represión. Le chef des guerrieros va parler longtemps de la répression et comment, avec 90 hommes, il a tenu en haleine toute une région. Solo vamos a decir de la represión y los motivos. Entonces, entonces vino el ejército y como no pudo golpear a la guerrilla, se dedicó a golpear a la población. Entonces, dijeron que iban a venir los gringos para poder detectar la guerrilla y efectivamente así lo hicieron. Porte-à-faux entre l'armée et les guerrieros, le cimetière de Nebar. C'est le dernier rendez-vous. Le rythme des décès se multiplie depuis quelque temps. Il semblerait que le règlement de compte général vient tout juste de commencer au Guatemala. Thank you.